Torval, madame. Bon. Un petit Torval, oui. Monsieur. Un petit Torval. Oui, ça tourne. Pas de mal, et je redeviens amoureux. Un petit Torval, madame. Un petit Torval, monsieur. Un petit Torval, ça ne fait pas de mal, et je m'envole dans les cieux. Bonjour à tous. Alors voilà, on finit notre répète là pour notre concert de samedi là. On joue pour l'anniversaire dans Lorraine, les 40 ans, hein, au parc à Vélaire. Concert à 20h, soyez tous là, hein, parce que c'est la fête, c'est le dernier gros concert de l'année. Après, on fait la fête, quoi. Voilà. Bon, chers amis, nous vous avons parlé il y a un petit temps d'un concours, n'est-ce pas, Cédric? Tout à fait. Hein? Oui, un petit coup. Pas d'un petit coup, d'un petit concours. Un concours sur leur clip. Sur notre clip de l'Orval, où il y avait deux personnes à reconnaître. Attention, les bonnes réponses étaient... La clé à molette. On n'avait pas répété. C'était les clés à molette et le chapeau noir. Voilà, et c'était DB, bien sûr. Hein, dessinateur. Bruno Dupont. Et notre ami André Wenquin de la Halle de Han. Voilà. Vous avez été 59 personnes à trouver la bonne réponse. 59 et à fournir les informations exactes. Parce qu'il y a des petits coquins qui se sont amusés à nous spammer avec des réponses. Oh. Ça n'a pas marché, malheureusement. En plus, les gars, à 20 secondes d'intervalle pour 15 belles. Non, faut pas exagérer. Enfin, soit. Bah, il peut nous le dire à ce qu'il a fait. Oui, il peut nous le dire. Au moins, il gagnera notre connaissance parce que ça a marché. On fera un effort. On fera un effort. Bon, alors, nous avons, attention, nous avons un sac. Voilà, un beau sac de crétonnerre, hein, qui est disponible à la boutique au prix de 12 euros. J'ai fait le marketing, ça me écoute. Voilà, dans ce sac sont les noms des 59 gagnants du concours. Enfin, gagnants. Gagnants potentiels, n'est-ce pas? Ou gagnantes, bien sûr. Ouais, gagnants. On n'est pas comme le pape, hein, comme tu disais. On a mis les filles dans le sac. Voilà, on a mis les filles dans le sac. Dans ce verre à bière que tout le monde connaît. Non, c'est une chimie, ça. Moi, je connais pas, moi. Dans ce verre à bière sont les 10 lots à se partager. J'ai dit 10. Plus 1. Attention. Nous allons d'abord tirer un nom et ensuite un lot qu'il aura gagné. Attention, c'est qu'est-ce que tu as prêt? Une main innocente. Une main innocente, hein? C'est un innocent, c'est... Allez, prends-en une. Alors, qui avons-nous là? Bowen Scorant. Corentin Bowen. Ben, est-ce que tu sais, quoi? Ben oui, là, on l'aurait. C'est le mec qui commande le plus sur notre boutique. Ça fait au moins 3 fois qu'on lui envoie des commandes. Oh, ah non, ben, ne montre pas, il va avoir l'adresse, dit. Ah oui, c'est confidentiel. Oui, il va avoir des fans qui vont sonner toute la nuit, là. Eh ben, ça, c'est alors, mérité, alors. Corentin Bowens. Comme trio, là, et tout. Bravo, Corentin. Absolument bravo. Parce que, en plus, tu es un excellent client. J'espère que tu ne vas pas gagner un CD que tu as déjà commandé sur la boutique. On te mettra un autre, si ça te plaît. Tu l'offriras. Alors, Pedro, est-ce que tu veux bien tirer un lot pour notre ami Corentin? Allez. Bien essayé. Et Corentin gagne... Gagne un calendrier perpétuel de notre ami DB. Ah, magnifique! Ça, tu l'avais pas dans la boutique, n'est-ce pas? Ça, c'est joli. Ça. Voilà. Dommage qu'on n'a pas des filles pour faire la démonstration des produits. Tu sais, on a le téléachat là. Allez, deuxième gagnant, attention. Cédric, est-ce que tu es prêt? Oui, mais arrête de trembler ainsi. Hein. Prends pas la même main. Non. Sinon, c'est qui avons-nous là? Aurélien Ronflette de Bench. Ah, Binche! Enfin, en deux mots, hein. Aurélia Ronflette de Binche, hein, c'est la ville. Aurélia Ronflette de Binche. Aurélia, bravo! Plus de 18 ans en plus, dis donc. Ah, 18 ans, Aurélia. Alors, Binche, ça, oui. Toujours une main innocente. Comme quoi, on voyage. Hein. On voyage, on voyage. Pedro, s'il te plaît, un lot pour notre amie Aurélia. Je vais essayer de la trouver pendant ce temps-là. Bon. Je vais les mettre par ordre alphabétique. Ouais, mais tu sais, j'ai autre chose à faire. Ah, je l'ai. Alors, une affiche dédicacée. Waouh! Wow. Ok, chosti. Ça, c'est fou, hein. Non, parce que sur la boutique non plus, il n'y a pas les affiches, parce que pour l'envoi, c'est difficile quand c'est oublié, c'est pas pratique. Mais après, alors, c'est joli, on peut aussi la découper, puis après vous la recoller. C'est vrai, ça peut faire un joli pulse. Alors, troisième gagnant. Ou gagnante. Laetitia de l'Écluse. De Flémarlet. De Flémarlet. Et de l'Écluse. Ça, de l'Écluse, hein, pour un champ de marins. Pour un groupe de champ de marins, franchement. Hein. Attends, ah, voilà. Alors là, ne croyez pas que je fais des dessins, mais je coche sur ma liste, hein, comme ça, on sait, sans devoir regarder la vidéo. Pedro, un lot, s'il te plaît. Oh, déjà? Oui, un gros lot, hein, pour Laetitia. Pas prévenu. Alors, un t-shirt crétonnet. Waouh. Voilà, un t-shirt crétonnet. Les voilà. T-shirts, il faudra que tu nous envoies la taille, hein, parce que on ne voudrait pas être mal poli. Ou une photo. Une photo. Alors, quatrième gagnant, Patrick. Allez, attention. Attention, il est beaucoup moins innocent, attention. Pas celui-là. À tous les coups, il va tomber sur quelqu'un qu'il connaît. Oui, c'est sûr comme ça.
Ah non, je connais pas. Ah. Bruxelles. Bruxelles. Oh, Bruxelles, attention. Ah, tu me laisses lire, c'est ça. Osgo. Oui, alors c'est pour Fina Oskonaki. Désolé si on a écorché votre prénom ou votre nom. Mais c'est pour Funa Oskonaki qui habite à Bruxelles. Bruxelles. Hein. Voilà. Oh. 1210 ben Bruxelles. Voilà. Attention. Je vais. Voilà, Bruxelles. Est-ce qu'on peut tirer un lot? Alors, on tire ce qu'on peut, monsieur. Allez. Plaisir. Je vais changer de main. D'accord. Ah, peux... Oui, mais celle-là, ils sont pas bons. Hein. C'est ça. Attention. Attention. Il n'y a rien marqué ici. De l'autre côté, de l'autre côté. Un album, c'est ma tournée. Voilà, santé. Un album, c'est ma tournée. Et bien sûr, l'album sera dédicacé. À ta santé, alors. Allez, c'est notre tournée. Ah non, c'est la nôtre. Bah là, c'est la nôtre. Allez. Allez, secoue le sac. C'est moi qui tire ? Allez. Allez, je vais pas dire ça trop vite parce que ma femme est en train de prendre des photos, donc elle m'a demandé. Attention, sans regarder, arrête de rire. Mais bah, il sort, sens, prends l'autre. Ah ouais, t'as raison. Parce que ça va. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous là ? C'est Evrine Baudard, 36 ans, qui habite à Pinchini. Ah, Chini, hein, une de la région. Et quelqu'un de chez nous. Ça fait plaisir d'avoir des gens de la région. Non, de Chini, pas de chez nous. Non, de Chini. Alors, c'est pas loin de chez nous. Un prix. Un prix. Alors, Séverine. Séverine, tu gagnes. Attention. Attention. Je mélange. Voilà. Alors. Ah non, excuse-moi. Une souscription pour l'EP à sortir. Oui, parce que maintenant, nous pouvons vous l'annoncer, sauf retard probable, mais bon, ça, on verra bien. Crétonnerre va sortir un petit album avec quelques titres pour la fin d'année, pour faire plaisir à tout le monde, puis nous aussi, comme ça, on pourra s'embouter avec tous les autres, parce que... Ah, ouais. Ah ben, merci de prévenir, hein. Ouais, ouais, mais on devait t'appeler pour te dire... Eh ben voilà. Attends, parce que je n'ai pas pointé Séverine. Enfin, voilà, si je peux alors, dire comme ça. Ensuite, attends, je n'ai pas pointé Séverine. Séverine. Ouais, Pedro, t'as pas péché. Allez, la main. Et moi, je vais faire le cadeau. Ben, parce que là... Ah non, Baudard. Oh là là, c'est dur avec toutes ces affaires. Ils sont là, dans l'ordre. Regarde, là. Ah oui, mais je n'ai pas mis dans l'ordre. Ça, c'est les lots. Ouais. Les piches, allez. Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Ah. Je mélange. Sans regarder, hein, Pedro. Je regarde pas. Si tu regardes. Celui-là, non, pas celui-là. Celui-là, non, pas celui-là. Ah. Ah, il en a un. Ouh. Ah. Dépêchez-vous parce qu'on est déjà à 7 minutes 40 de vidéo, voilà, les gars. Oh, allez. Qu'est-ce qu'on a ? Karen Girardin. Oh, mais vous savez quoi ? Non. C'est ma collègue. En France ? Oui, ah, c'est ma collègue Karen. Et Karen, ben, si voilà, tu me regardes, ben, on se voit lundi. Félicitations, Karen. Merci d'avoir participé. Et tu n'auras pas ton augmentation. On se voit lundi. Et qu'est-ce que tu as gagné ? Et tu as gagné. Et vous, attendez, parce qu'elle habite en France. Une nuit avec Raph. Ah non, non, non. Un panier gourmand de la Halle de Han. Ça, je sens que ça va lui plaire. Ça va être joli. Bravo. Connaissant Karen, ça va être joli. Bravo. Voilà, attends, je vais la pointer. Tu m'excuses. Tu mets au moins ce qu'il y a, la discussion. Bon, allez, ah oui, on suit. Une main innocente. Pour la vidéo. Allez, une main innocente. Oula, attention. Il y a par l'arrière. C'est qui ? Gérard François de Géroville. Ah, Gérard. Non, de Mex devant Virton. Mex. Oh, c'est de Géroville, c'est la même commune. Gérard François. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Hein. Oui. On le connaît bien, Gérard, hein, de toute façon. Ah, non, François, je veux dire. Oui. Attention, que gagne-t-il ? Que gagne-t-il ? Allô ? Allez, je tire le prix. Oui, oui, hein, parce que tu n'as pas encore fait. Attends, on mélange. On mélange. Mélange. Attention. Vas-y. Sans regarder. Vas-y. Hop. Gérard François gagne une entrée VIP à un concert pour deux personnes. Ce qui veut dire qu'il rentre gratuit, qu'il boit gratuit, qu'il mange gratuit, qu'il assiste au concert dès derrière la scène, s'il veut. Hein, parce que... Et les organisateurs, ils sont prévenus. Parce que. Non, on ne connaît pas. On les préviendra, enfin, on préviendra ça. Allez, encore un gagnant, vite. Allez, parce que là. 2, 4, 6, 7, il en reste plus que 3. Oui, 4. Et... Ah, attention, allez. Et on est déjà 10 minutes. Parce que là, oh là là. Poncin-Francis. Francis Poncin. La nef. Francis Poncin. La nef des fous. Oh. Allez, on enchaîne. Allez, attention, oh, attends. Et gagne. Un calendrier perpétuel de DB. En même temps, il n'y a plus que ça à gagner. Allez, on enchaîne. Attends, je pourrais être Poncin. Alors, c'est Jean Cubois.
Pas du bois, hein. Pas du bois, pas du bois. J'ai peut-être de Marlois. J'ai peut-être une faute de frappe. Hein, en... Marlois. Ah, de... Marlois. Eh ben, tu sais, j'y passais souvent à Marlois. C'est près de chez moi. Jean Cubois. Que gagne Jean? C'est près de chez nous. Jean Cubois, qui habite à Marlois. Ouais. Alors, allez, Lolo, attention. Parce que après YouTube, il va refuser la vidéo parce que c'est trop long. Un calendrier perpétuel de notre ami. Bah, il y en a des calendriers perpétuels à gagner aussi. J'en ai un. Attends, le dernier gagnant, Dello. Après, il y a le 11e qui est un peu spécial. Allez, attention. Brigitte. Brigitte Warny. Bah, on la connaît bien, Brigitte. De pain. Mais oui. Hein. Brigitte de pain. Brigitte, si tu nous regardes, ben, on se voit bientôt, hein. Alors, Brigitte, il ne reste plus qu'un lot, donc voilà. Je crois avoir ma petite idée. Mais attention. Allez, vas-y. Allez, j'y vais. Attends, il faut mélanger. Ah oui, mélange. Mélange. Mais pas trop longtemps parce que. Il faut mélanger. Bien, oui, vas-y. Mets ton doigt, voilà. Mets ton doigt. Brigitte gagne le prochain album à sortir. Ah, c'est un cadeau, hein. Tu le rends. Ce n'est pas une blague, Brigitte, parce que l'an prochain, nous enregistrons un album complet avec Crétonnerre qui va sortir en 2013. Tout va bien. Oui, hein. Février, mars, avril, mai, juin. Janvier. 2013. Eh bien, Brigitte, tu l'auras en même temps que nous. C'est-à-dire que tu seras une des premières à le recevoir. Voilà. C'est ton cadeau. C'est pour toi. Attention. Alors, maintenant. Le grand gagnant, le dernier gagnant, le 11e gagnant. Attention. Celui-là est un peu spécial. Hein. Parce que le gagnant que nous allons pêcher maintenant va gagner tous les prix. C'est-à-dire un calendrier perpétuel de DB. Un album C'est ma tournée, une affiche dédicacée, un t-shirt Crétonnerre, une souscription pour l'album, une souscription pour le P, ouf, un panier gourmand de l'Aldehan, une entrée VIP à un concert. Ouais, ben on lui fera le panier, très bien. Et c'est déjà bien. Et un bisou de Patrick. Et un bisou de Patrick. Voilà. Allez, attention, qui c'est? Attention. Ah, voilà, une innocente. Attention. C'est pas tellement innocente que ça. Oh, j'en ai deux. Oh, non. T'en as deux. Attention, alors c'est Anouk Wouters de Elzel. Bravo Anouk. Moi je dis bravo. Bravo à tous. Oui. D'avoir participé. Merci à tous d'avoir participé. Voilà. Ceux qui n'ont pas gagné, ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Puis on va s'arranger. Si jamais, hein, il y a toujours de l'autre consolation. Vous allez trouver dans toutes les bonnes épiceries. Voilà. Ou à l'abbaye, si jamais. Alors, dernière chose avant de se quitter, parce que je vois qu'il est déjà tard. La grande soirée du Petit Orval. Il ne faut surtout pas rater. Nous allons inviter tous les gagnants à venir rechercher leur prix à cette soirée qui se passe le 19 octobre au cinéma Le Foyer à Bellavieille avec projection sur écran géant du clip de Crétonnerre ainsi qu'un making-of des meilleurs moments du best-of du clip. Ça va être hot. Crétonnerre au cinéma. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais osé montrer. Et puis on jouera sûrement quelques morceaux. On jouera des morceaux. Et puis on verra après. On boira de l'Orval. Et vous pourrez aussi rencontrer l'équipe du film, ceux qui ont tourné, ceux qui ont monté. Ceux qui ont maquillé, bah oui, mais tu sais bien. Hein. Ouais, mais... Ceux qui ont maquillé, tout ça. Et voilà, ce sera l'occasion de rencontrer un peu tout le monde et de faire un petit débriefing de ce qui s'est passé. Parce que si cette chanson a un tel succès, et si cette vidéo a un tel succès, c'est un peu grâce à vous aussi, hein, vous bien le dire. Hein, parce que vous avez quand même vu plus de 33 000 fois maintenant, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est toujours moi qui regarde. Oui, c'est toujours toi qui regarde la caméra. T'es soignant aussi. Tu te sais, regarde la caméra, ça fait rien de gastrique. Le 19 octobre. Ah bah merci. Au cinéma Le Foyer. Merci. AB. AB, la vieille. La vieille. Pourquoi la vieille? Bah tu verras. Allez. Santé. Bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. Bravo aux gagnants. Bravo aux perdants. Bravo à tous. Attends, parce que si tu mets le 5 devant, je ne sais plus trouver le bouton. Voilà.